bonsoir à toutes et à tous et à toutes, c'est Jérémy350 et aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo où l'on va tester Meg Scarabée, donc elle est juste devant vous. Donc ça y est, à partir de maintenant, tous mes brawlers ont au moins un skin. Parce que Meg était le dernier brawler à avoir eu le skin. Donc oui, donc cette fois-ci je tourne la vidéo vendredi puisque... Parce que j'ai eu un petit problème jeudi, j'ai pas pu tourner la vidéo, donc j'ai pu acheter le skin, comme vous avez pu voir en intro. Puis bon, il est juste en face de vous, donc c'est normal que vous ayez pu voir le skin aussi. Il est juste devant vous. Donc du coup, le but là, donc on va vous la faire tester dans les maps de solo. Bon, c'est pas terrible de les tester dans les maps de solo, mais c'est pas grave, on va le faire quand même. Concernant le shop et Golden Jack, alors j'ai le second Star Power de Yves, qui est pété. Mais honnêtement, si je l'achète ou pas, je sais pas, parce que je suis quasiment sûr qu'il va se faire défoncer. Et puis aussi, il y a le défi du championnat, mais le problème c'est qu'au défi du championnat, t'as pas besoin d'avoir le Star Power pour l'utiliser, quoi. Et puis bon, Eve, ça peut dépendre de quel accent vous l'appelez, ça ne changera rien, à part pour la montée, quoi. De toute façon, je remonterai 25, même si elle serait nerfée. Un jour, je remonterai 25, pour sûr. Mais bon, enfin bref, on n'est pas là pour parler d'Eve, on est là pour parler de Meg. I'm so ready for this. Ouais, donc Meg avec ses voix, donc on va présenter Meg, hein, bon. Meg, c'est une personne qui souhaite devenir une super-héroïne, sauf que Max, elle dit non. Elle dit, ta gueule, non, elle dit non. Elle dit tout simplement non. En même temps, c'est la plus petite, hein. Elle est vraiment plus petite, t'as l'impression qu'elle est plus petite que Nita, et qu'elle est presque aussi intelligente que Jessie. Mais bon, hein. Vraiment être aussi petite et à créer des robots comme ça, faut vraiment être intelligent, hein. À peu près comme Jessie. Ouais. Mais bon, vu qu'elle était dans Biodrome avec Rosa et puis tout, avec l'incident avec ce qui s'est passé avec Eve, si vous avez vu la vidéo Brawl Stars sur la chaîne Brawl Stars, et ben elle est devenue une Scarabée. Comme Scarabéa, sauf que Scarabéa c'est une autre histoire. Scarabéa elle est devenue méchante parce qu'elle était avec Jackie dans la mine de gemmes. Elle s'est transformée en super vilaine. Voilà. Mais du coup on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour tester Meg sur les maps de solo candidate. Donc on voit y aller maintenant, donc on... ça va changer, bon, c'est pas grave, ça va changer dans quelques secondes. En même temps il est bientôt 15h. Non, pas 15h mais 16h. On va y aller, donc c'est parti, 3, 2, 1, let's go. Oh, je bug un petit peu là. Non ? Bon, ça va. Ça va encore. Ça va encore, j'ai vu. Oh, si je bug. Oh, oui, on voit que ça bug là. On voit que ça bug. Donc, du coup. Ah, quoique, ça va encore. Ah, ça va. Regarde, bon, si je bug un peu. Je bug un petit peu, bon, c'est pas grave, je vais juste terminer la game, je vais faire une ellipse. Voilà, comme ça c'est bon, c'est terminé. Tac, je vais faire une petite ellipse, à tout à l'heure. Et bien, nous revoilà, ça y est, donc cette fois-ci on peut recontinuer, donc normalement j'espère que ça va plus bugger. C'est bon, voilà. Là, on avance normalement, c'est nickel. Voilà. Mais pas là toi, attends. C'est vrai que c'est pas plus simple pour les maps comme ça. Oh d'accord. Oh tu peux rien, mais forcément après il va voilà, tu peux rien. Ok. N'empêche, elle a quand même une animation différente. Regardez comment elle tient son gun là. Elle le tient vers le bas, alors que normalement le skin de base elle le tient vers le haut. Bon. On continue.
Nike et Gapfruit Games. Non, mais je sais même pas s'ils vont gagner vraiment des gemmes gratuites. Si franchement, leur map elle gagne quoi. Parce qu'on voit trop souvent des maps comme ça. Et franchement, si les maps elles gagnent, je sais même pas s'ils gagnent des gemmes gratuites. Même si c'est que 100 gemmes. Je ne sais pas. C'est méga chiant. Oh là là. Ah oui, mais en plus second Star Power, on le voit bien le second Star Power. On le voit bien, ouais, mais il est pété le second Star Power. Et quand je dis pété, c'est que il est vraiment cassé, hein. Je déconne pas. Je déconne pas, le second Star Power de Eve est vraiment cassé ou cheaté, comme on peut dire quoi. Oh bah un truc de map, un truc de maths. Alors donc du coup, alors 4 x 9, facile, 36, plus 1, normalement ce qui fait 37. Là c'est 10. Et déjà le gars, il sait pas calculer puisqu'il fait 1. Il fait 1 plus... Oh merde. Déjà le gars il sait pas calculer puisqu'il fait... Oh putain, 2 HP, mais ouais. J'ai de la chance. Oh non. Non, oh là il le mérite pas. Là il le mérite absolument pas. Ce gars-là, il le mérite absolument pas. Le pouce rouge, c'est vraiment le truc à enlever dans le jeu, parce qu'il ne le mérite pas du tout. Regardez. Le pouce rouge, franchement, c'est l'émote la plus chiante du jeu. Je l'utilise, certes, mais bon. Tout le monde l'utilise quasiment. Regarde, tac, je mets pouce rouge, taille, hop, c'est bon, tout le monde est mort. Enfin, tout le monde est mort, pas du tout. Oh merde. Ouh! Oh bah écoutez, bah allez, let's go. Heureux, donc ça y est, donc bon, il y avait Francie qui m'a invité, qui voulait que je fasse le championnat, sauf que le championnat, j'ai jamais dit que je voulais pas le faire, hein, j'ai jamais dit que je voulais pas le faire, c'est juste que je suis en vidéo là, donc voilà, donc on va faire encore 2 dernières games là, et après je crois que je vais arrêter. On va faire encore 2 dernières games, et après j'arrête. The Academy. Ok, on va pas le tuer, monsieur M, parce que c'est un bon gentil manchot. Enfin, ça dépend du temps. Par contre, la Shelly est méga méchante, attention. Tue-moi. Voilà, c'est bon, t'es morte. Ça, c'est bien. C'est que les boss comme ça. Les boss comme ça, forcément, tu peux pas faire grand chose. C'est complètement normal. Complètement. Du coup, on fait une petite dernière game et après, je vais arrêter la vidéo là. Génial. Sensationnel. Merci, Boule. Et non. Bon. On va pas encore se laisser abattre comme ça. On en refait une. Parce que... Allez. On en refait une. Et s'il vous plaît, une bonne. S'il vous plaît. Oh merde. Bon, bah écoutez, c'est pas grave. Hein. On va là-haut comme ça, c'est simple. La vraie dernière de chez dernière cette fois-ci. Voilà. Et après là, il n'y a plus d'excuses. Là. Allez, let's go. Non. Bon.
vu que c'est pas terrible, et bah écoutez, ce que je vais faire, c'est que, tadam, je vais la tester en mode pour que ça soit plus rapide, et on termine la vidéo dessus. Voilà. Les tirs sont comme ça. Le robot, c'est ça. Et le super, c'est ça. Voilà. On refait encore une fois. Et voilà. Bon, et je vais arrêter la vidéo là parce que sinon ça va faire beaucoup. Voilà. Du coup, les gars, bah je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Concernant Golden Jackie, bah toujours pas, hein. Je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Et donc, du coup, les gars, à plus pour une prochaine. Salut!